Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous poser quelques petites questions, histoire de savoir pour les autres épisodes si vous en voulez déjà. Donc, si vous voulez un let's play du jeu ou même d'autres vidéos sur le PlayStation VR, si le type de qualité ça vous plaît en termes de vidéo et de comment je suis filmé, parce que je peux me filmer autrement. J'ai fait vraiment un setup assez à l'arrache, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. On me voit plutôt bien, on me voit entièrement, je suis en short, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis voilà, donc c'était vraiment pour savoir. Ce que vous voudriez, n'hésitez pas à me dire les jeux que vous voulez en commentaire. Si vous voulez un let's play sur celui-ci, parce que Until Dawn est vraiment très sympathique. J'ai à peu près une quinzaine de jeux sur le PlayStation VR, du coup, je peux vous proposer pas mal de jeux divers et variés. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve peut-être pour l'épisode numéro 2, ce sera à vous de voir. Et puis, bon visionnage! Waouh, c'est quoi ça? C'est bien fait. C'est impressionnant. Il y a un serpent qui lui monte. Non, c'est trop bizarre. Waouh. Ah, c'est le médecin de Until Dawn, enfin le psychiatre. Le psychopathe aussi, on peut dire ça comme ça. Salut. Ils sont pas sérieux. Je suis un petit joueur. J'espère que le micro-cravate rendra un bon son. Que j'ai fait en sorte de capturer avec trois micros différents le micro-cravate, le Blue Yeti et mon appareil photo. Comme ça, d'accord, on coordonne, tout va bien, manette de mouvement, ce qu'il y a de mieux avec les moves, hein, je les ai pris exprès. Alors on se met en position comme si on voulait tirer. Alors, attendez, comme ça. Je vais pas les prendre trop non plus, voilà. Ah, là on est bien, là, comme ça. Si la position du bras ne correspond pas, si si ça correspond, c'est nice. Alors, on va faire une nouvelle partie directe, nos prises de tête. On a différents types de niveaux, normal, infernal, allez on va faire fou, non on rigole. On va faire normal, c'est suffisant. J'espère juste pas flipper. Bienvenue l'ami, et préparez-vous pour le frisson de votre vie. Derrière cette porte, votre dextérité et votre volonté seront mises à rude épreuve. Qui va décrocher le gros lot aujourd'hui? Visez les cibles et touchez-les. Et essayez de rester en vie, bien sûr. Si ça vous paraît facile, allez-y. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Tout ce que vous avez à faire, c'est pointer votre arme sur ce panneau, juste là. Et appuyez sur la détente. Voilà, je vais monter un petit peu le son, qui est un petit peu bas. Et bien entendu, vous me connaissez, hein? Vous me connaissez, dès qu'il y a de la cinématique, eh bien, on se tait. Enfin, dès que ça parle, quoi. Puis ça parle les sous-titres. J'ai jamais vraiment fait de train fantôme dans ma vie. J'ai toujours voulu en faire, mais j'avais vraiment eu l'occasion. Je sais pas si vous en connaissez un de train fantôme qui est plutôt flippé quand même, parce que si on fait un train fantôme, c'est pas pour rigoler. Si vous en connaissez qui est sur la région parisienne ou pas très loin en France, quoi. Voilà, d'accord. Très bien. C'est un enfant. Une tête de poupée. Franchement, c'est super bien fait. Je sais pas comment ça rendra en vidéo. Mais j'ai vu quelques petites vidéos de démos, etc. Je me disais, mais c'est pas très joli. Allez, l'ami, Et l'aventure vous quand on a mis le casque, on s'arrête, on repart. La route c'est vraiment bien. Vous Franchement. Verrez ce qui vous attend au tournant. Et moi, je... D'accord. Hop, 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 et hop. Avec la main gauche, ça va être un peu plus compliqué la main gauche. Ah, ouais. En fait, il y a deux systèmes de rechargement.
C'est soit vous appuyez, soit vous faites un mouvement brusque, comme si vous voulez recharger. Vous avez le choix entre les deux. Là, on peut voir le scoring. Et là, on peut voir mes petites jambes. Oui, je suis avec un short, je sais bien. Mais c'est pour être plus à l'aise. Pendant que je recharge. Hop, salope. Désolé hein, pour les insultes. En fait, je vais pas le tirer bêtement. Je dois avoir une bonne précision, mais en même temps, en ayant une bonne précision, je suis plutôt lent. Mais c'est pas grave. Ça va, on a un multiplicateur x5. Merci. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les trophées. Enfin, moi, du moins, avec le casque, je ne vois pas. Hop, hop. On peut voir tout de suite que j'ai une... C'est bon. Ah, d'accord. Faut tirer comme un bourrin. Bon, on va tirer comme un bourrin. Parce que depuis le début, je suis plutôt gentil. Mais côté gentil, c'est fini. D'accord? C'est quoi ça? D'accord, je reste concentré. Mais pas trop non plus, parce qu'après je vais avoir peur peut-être. Les gens venaient de très loin pour voir notre foire aux monstres mondialement célèbres. Ça me fait penser, vous savez quoi, à American Horror Story. Je sais pas si vous connaissez. American Horror Story. Il y a une saison. Il y a une saison d'American Horror Story où c'est justement. Un truc comme ça là. Dans une foire aux monstres. Qui est plutôt pas mal comme saison. Hein. C'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure saison, c'est la 1 et la 2. Hein. Allez, vite. Hop, tout de suite. Merde, trop vite. Merci. Non, non, arrête, arrête les clowns, arrête. Il y a deux choses que j'aime pas, c'est les clowns et les clowns. J'aime pas les clowns. Depuis le film, je sais pas si vous connaissez ça. Et ça, il est revenu. Bah, ils vont faire un nouveau, je crois. J'ai toujours flippé. Allez. On se met en position. On se baisse. Ah, franchement, les sensations sont vraiment excellentes. Hein. Les sensations sont excellentissimes. En plus, il va bien avoir des petits secrets. Genre, si vous fouillez bien, etc., vous devez peut-être voir des choses pas... Oh. T'es sérieux, là? Il y a vraiment des jours où on a l'impression de perdre la tête. Je pense que je vais peut-être tourner deux épisodes à la suite. Que je me dis, ça va peut-être vous plaire, j'espère en tout cas. Pour l'instant, ça va. Mon cœur va bien. J'aurais dû mettre mon bracelet. Je le mettrai pour le deuxième épisode. Ou pour le troisième. En fait, j'ai un bracelet que j'avais eu durant une avant-première d'un film. C'était Don't Breathe. Oups! Ah, putain, j'ai vraiment eu l'impression. Il me faut de l'air. Voilà. Ah, j'ai flippé. Putain, j'ai eu l'impression de. J'ai eu l'impression de tomber. Et le manque d'air. Ah. Ah. Donc, oui, dans Don't Breathe. Salut. Ah, c'est le psychopathe du de Until Dawn. Et on m'a donné un... Aïe, aïe. On m'a donné un, comment on appelle ça? Un capteur cardiaque. Ouais, tu vas peut-être que j'ai flippé, c'est ça? Non, eh. D'accord. Ma visite est un peu foireuse. Je vous entends, je vous entends. Soyez très très prudent. Je suis prudent. Allez, hop, on le fait. D'ailleurs, le mot magique, c'est prudent. Vous devez passer prudent en commentaire. Je savais qu'il y a. Saloperie, c'était nous, pas.
C'était une hyperlute. C'était une hyperlute. En fait, ils vont captiver à faire ci ou ça. Mais c'était juste pour m'avoir. Je crois pas qu'il y ait un système de précision dans le jeu. Donc on va vraiment carburer. Ah, ça aussi. Ah, toi je l'avais pas vu. On recharge. Qu'est-ce qu'il y a les enfants? Les serpents! D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a madame? Madame! Madame! Oh! Non! Conjuring! Mes mains tremblent un peu, désolé. Désolé si ça tremble. C'est pas volontaire. Hein. C'est vraiment pas volontaire. Si je tremble comme des petites. Allez. 1, 2, 3. Toi, suivi de loin. Tu me feras pas peur. Toi, c'est bon. Ça y est, c'est bon là. Voilà. C'est bien fait quand même. Hein. On le tire sur le bras, genre il se. Le bras se démembre. Oh! Attends, je vais avoir ça là-bas. Voilà. Eh, j'entends quelqu'un. Putain, il y a Claude François. C'est Claude François là-bas. Putain, les bruits des bébés, ça me fait penser à un. À Homefront au début. Il y avait des bébés qui pleuraient aussi. Ça, c'est un cook à me faire avoir, ça. Bon, on va regarder quand même, parce que... Oh, non, c'est bon. Okay. Non, salope. Pourquoi tu t'attaques à mon truc? Je vais... Hop là, ça c'est fait. Allez. Ok, 3 balles, ça suffit. 3 balles bien placées. C'est 3 balles pour toi. Nice. On écrase des corps en plus, hein, pendant qu'on roule. Wow. Enfin, c'est ces phases-là qui me font pas gerber, mais j'ai l'impression de perdre mon souffle. Oh, punaise. En plus, tu rigoles de ma... De moi. Bon, attendez. Ah. Attendez, laissez-moi tout avoir, s'il vous plaît. C'est avec leurs yeux. Hey. C'est fini. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non, non, non. Attendez. Non, c'est bon, je peux les avoir après. Un. Et boum. Ça, c'est fait. Oups. À quoi bon faire ça si c'est pour passer par l'autre côté? J'ai l'impression que dès que je tire avec une, avec un flingue, avec une main quoi, ça se passe mieux qu'avec les deux. Caméra. Non, 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 c'est quoi ça? Ah, c'est bien sombre, hein. Oh. Gaz toxique. C'est l'épouvantail. L'épouvantail est pas loin. Je le sens, je le sens, je le sens. Le pouvantail, je sais que t'es pas loin. Arrête. Ah, vraiment, ça c'est bien fait. Je vous promets qu'on vous passez dedans. Ah, c'est la fin du niveau.
Ça devrait aller. Merde, désolé. C'est bon, on peut aller. Ouh. Mon dieu. Repos, détente. Voilà. J'ai l'impression qu'on respire. Oh mon dieu. Bon. Eh bien, on s'arrête là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, je vous regarde pas dans les yeux parce que je vous vois pas. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, y a pas de problème. De laisser un petit like si ça vous a plu, et puis on se retrouvera pour l'épisode 2, l'épisode 3, bah jusqu'à la fin du jeu, je crois pas que ça va durer plus de 5 ou 6 épisodes. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien kiffé, l'immersion est totale. Graphiquement, c'est vraiment très très sympathique, j'ai vu des petites vidéos par-ci par-là. C'est vrai que c'était pas forcément très très joli, mais quand on a le casque, c'est vraiment tip-top. Et puis sinon... Bah moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, je sais pas où vous êtes, mais c'est tout. Allez, salut.